Alors, excuse-moi, je lance l'enregistrement parce que j'ai oublié de le lancer. Donc, bonsoir, Tontube. Cet épisode ne vous regarde pas. C'est un épisode enregistré pour Charlotte. Ah, mais bon, si jamais vous n'avez rien à foutre, posez-vous par là et puis voilà. Des bisous. Oh putain. Quoi? Rien, je viens de voir un truc. Un pote m'a envoyé un truc trop drôle. D'accord. Est-ce que tu sais ce qu'est un semi-bisexuel? Hein? C'est un semi-bisexuel. Non. Eh ben, c'est quelqu'un qui est bisexuel, mais qui n'est attiré que par un seul genre. Hein? Et pourquoi ce mot existe? Pourquoi ce mot existe, monsieur? Pourquoi? Ce mot n'existe pas, Foscal. Ce mot existe. Non. Ce mot, malheureusement. Mais du coup, je suis semi-omnivore, puisque je ne mange que de la viande. C'est ça. Non, j'ai une preuve, tu as mangé des fruits. Ah, YouTube, ils arrivent, ils voient ça, ils quoi. Quoi? De quoi ils parlent, les mecs? De quoi ils causent, les gars? Game mm. Oh la vache. Donc, ouais, j'en fais juste une petite parenthèse. Voilà, vous êtes dans l'ambiance des terres mortes. Comme vous avez déjà d'autres épisodes préposés avec quelqu'un d'autre que vous connaissez déjà. On est sur une aventure qui a déjà continué. On est sur deux types qui sont dans un hôtel. Somme toute un peu suspect. Un peu effrayant, même pour certains. Il est cool. Il y a de l'or, il y a de l'argent et il y a du bronze. Mais cool. Et donc là, ils se sont retrouvés dans un couloir un peu étrange. Ils ont vu une silhouette visiblement de ce qui pourrait ressembler à une demi-orque. Je dis bien visiblement, puisque notre paladin, enfin l'un de nos deux paladins, donc je par Maze, qui est un demi-orque lui-même, a pu constater qu'elle en avait les couleurs. Mais pas le gabarit. Ah, parce qu'évidemment les demi-orques sont plutôt d'une nature charpentée, je dirais. Comment est votre charpente? Elle est excellente. Donc voilà, ils arrivent au bout du couloir, ils voulaient suivre la trace de cette personne. Lorsqu'ils tournent à droite, ils tombent sur une porte franchement assez discrète. Donc 15 mètres de haut sur 7 mètres de large. Une porte naine. En cailloux, avec des cailloux taillés en un seul bloc, et ferraillé avec une tête de dragon en or au centre, surmontée donc d'une épée sur donc pointe vers le haut, sur un globe de feu, sur un soleil quoi. Voilà. Que faites-vous? Eh bien, je vais regarder déjà à gauche. Il va regarder derrière, je pense. Moi, je vais m'approcher de la porte. Alors. Kroger, donc parce que ouais, tu joues Kroger, hein, Maze. Mm-hmm. Toi, tu regardes à gauche. Bon, donc la direction d'où elle venait. Oui. Ok. Alors, tu vois à quoi ça ressemble une dalle, hein. Pas trop de problème. On est sur un couloir d'allée, sol, mur et plafond. Et c'est en voûte. C'est bon pour vous? Et pendant ce temps-là, donc, Axel, tu t'approches de cette porte. Je ne cherche pas à l'ouvrir, hein. Je souhaite juste l'examiner un peu plus. Et je vais faire un jet de connaissance. Tu attrapes donc ton énorme couteau et tu commences à désosser toutes les dorures pour les revendre sur le marché noir. Excellent. Attends, qui ferait ça? Bah, si t'avais joué un voleur. Ah, par exemple. Voilà. Pas faux. Les rats pourraient le faire. Oui. Je connais un rat qui aurait pu le faire. Alors. Un jet de connaissance des dragons? Du culte, s'il te plaît. Du culte ou des dragons si... Ce sera des dragons. Ok. Est-ce que c'est un... Bon, j'ai pas besoin de te dire qu'en termes de culte, techniquement, un soleil, ça représente ouais, des membres de la Trinidad. C'est bon, ça va aller. Puis-je utiliser mes dés en connaissance des créatures ou des peuples, puisque ce sont soit des créatures, soit des peuples, suivant le niveau d'intelligence que je leur apporte. Je vois... ou pas. Vraiment... Non, parce que là, ça va être ni le peuple, ni le type de créature en elle-même. Là, ce qu'il te faudrait, c'est plus créature légendaire, mythique, tu vois. Mais, quoique, je peux compter créature dedans. Je vais te compter créature dedans. Après, il y a le peuple nord. Mais tu lances pas de dés pour créature, tu ajouteras plus un succès. D'accord, et maintenant, vu que c'est sur une porte qu'on va dire gabarit naine, puisqu'on j'en ai déjà vu, puis-je avoir un, au moins, voilà, je peux gratter tout ça. Ok. Bah après, c'est nain. Bon, y a rien de spécial à voir, mais au cas où tu aurais des questions dessus, je répondrai à une question en plus si c'est une question qui porte sur les nains. Alors, est-ce que je peux lancer avec les dés bonus ou pas? Connaissance des dragons. C'est la base de ce que je te demande. Ok, donc non. Ça, il a été puni. Je prends mon temps. Oh là là là. Alors ça, vous voyez, ça c'est une faute gratte YouTube. Hein. Ça c'est les gens, vous voyez, ils lancent les dés et après ils disent oh, en fait je triche. Je relance, je relance. Vas-y, relance. Je prends mon temps. Très bien. Ah c'est le drame. Ah t'as été puni. C'est le drame. Ah c'est la suite. 1, 2, 3. Un succès. Ah là là là. Non, zéro. Non, zéro succès. Pardon. Zéro succès. Ouais. Alors ça ressemble à un dragon. Ouais. Et bah ça ressemble à un dragon. Maintenant, si t'as une question concernant la porte, t'as eu... Ah si, par rapport aux créatures, t'avais connaissance des créatures. Oui. Alors c'est un drac et un dracaon, puisque il a les cornes en arrière et pas vers l'avant. Ou inverse, attends. Non, les dragons, ils ont la tête, ils ont les cornes en avant, ouais, c'est ça. Toutes les vouivres et compagnie ont les cornes en arrière. Enfin, sauf la vouivre, justement. Putain, vraiment, le mec, il dit que des conneries. Donc, les cornes en arrière. Il a les cornes en arrière, ce qui fait que ce n'est pas un dragon. C'est un dracoïnoforme. Mais ce n'est pas un marcheur. Vois-tu, je veux dire. Un marcheur, d'accord. Oui, tu sais que... Ah oui, en termes de méta, tu sais qu'on différencie les dragons de catégories, les marcheurs. Oui. Et les... ouais. Très bien. Ok. Voilà. Je peux faire un jet de connaissance du culte au niveau de l'épée, s'il te plaît. Je voudrais savoir dans quelle matière elle est faite. En or, tout est en or. Tout est en or. Ou tout semble être en or. Enfin, tu peux faire un jet de connaissance des métaux. Maïs pendant ce temps-là. Enfin, Kroger. Je prends mon temps dans ce cas-là. Moi, j'aimerais bien faire un jet de vigilance pour vérifier un peu l'environnement selon... C'est-à-dire, que recherches-tu dans cet environnement? Déjà, je connais pas l'environnement, je trouve l'environnement très suspect, donc je vais déjà vérifier et regarder un peu tout ce qui se passe, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a plein de trucs autour de moi que je ne connais pas. Certes, je comprends le fonctionnement, les tuyaux, tout ça, je comprends, mais bon, il y a quand même là, on arrive sur un truc où d'un seul coup ça change. J'irai voir s'il n'y a pas un piège ou autre, un vigilance piège. Ah, donc vigilance piège. Chercher un mécanisme. Ouais. Puis j'ai traité de mon chien, de mon dogo. Non, puisque le chien, c'est pas les pièges, malheureusement, les animaux, c'est pas les pièges mécaniques, tout ça ne les aidera pas. Là, techniquement, pour ton chien, il y a forcément rien. Faudrait que je le dresse. Ok. Faudrait l'entraîner avec toute une série de pièges pour qu'il apprenne à les identifier, à comprendre, machin, etc. C'est extrêmement compliqué d'entraîner un animal à la détection des pièges mécaniques et compagnie. Ça marche. Bon, je fais d'abord une détection de pièges standard. Je prends mon thing. 3 succès. Très bien. Il ne semble pas y avoir de pièges mécaniques. Je parle à mon compare en lui disant comme quoi il pourrait y avoir des pièges magiques. Faudrait faire attention. Étant donné la nature du lieu où on est, c'est fort. Ce lieu est bizarre. C'est fort probable. Non, juste le fait que la maison paraisse déjà beaucoup plus grande que ce qu'elle est à l'extérieur. C'était déjà le cas au début. Oui, non, mais je veux simplement dire qu'on a... Ça n'a aucun sens. La magie a du sens pour ceux qui la comprennent. Manque de peau, on la comprend pas. Pour moi, c'est hérésie, c'est tout. Non, c'est pas de l'hérésie. Ah, est-ce que vous en lancez dans un débat de prêtres sur 20 là? Non, qui non, va durer à peu près 8 sommets insulaires, enfermés dans votre couloir, où nul n'a le droit de vous déranger, jusqu'à que vous trouviez un consensus qui dure à peu près 8 années et qu'on retrouvera seulement vos squelettes. Non, ça ira. Merci. Non, vous êtes sûr? Ouais, YouTube, ils étaient chauds. Hein. Je veux quand même faire un jet de détection magique, si tu me l'accordes. Ouais, vigilance magie. Ouais. Sur quoi? Sur la porte. Très bien. Vas-y. Je voudrais être prévoyant. Et je vais te demander à toi, Mace, de m'aider à ressentir la magie ou à savoir s'il y a de la magie sur le tout. Puisque tu es aussi un enchanteur, je rappelle. Oui. Tu peux ressentir la magie. Oui. Je vais prendre un demi... et je vais même te laisser faire le jet, je t'accorde un demi-dé. Je n'ai aucune compétence dedans. Parce que c'est peut-être toi qui aura plus de... qui aura davantage de l'œil. Ça dépend, t'es en quoi? En vigilance, magie. Ok, ne bougez même pas. Je te donne un demi-dé. Tu auras davantage de l'œil. Hein. Oui. Ok. Ça marche. Parce que normalement, c'est toi le vigilant du crew, monsieur. Alors oui, mais je n'ai pas de la vigilance en tout pour l'instant. Oui, ben moi je te donne un demi-dé, comme ça t'as pas de désavantage. Et puis tu sens que ton collègue il est pas dans son assiette parce qu'il trouve bizarre qu'une porte-naine porte arbore la tête d'une vache. Une vache? Il y a un problème là. D'un dragon? Oui, c'est bon, d'un dragon quand même, t'en es pas là. Ça va. J'ai fait un succès. Un succès? Ouais, j'ai fait un jeu de merde. Ça n'a l'air absolument pas du tout magique, voyons. Après, les nains sont pas très connus pour allier magie, mais plus runes. Enfin... En approchant ta main de la porte, tu commences à pressentir quelque chose et tu touches légèrement à la porte des bouts des doigts et tu sens la brûlure d'une magie. Bon, ça te crame pas les doigts non plus, mais... Tu sens vraiment la chaleur d'une magie intense, que je qualifierais même de très probablement très puissante. Aussi appelée napalm dans le milieu. Je sais pas. Mais cette porte a l'air hostile. Des cailloux. Eh bien, je vais essayer de, à mon tour, toucher la porte. En même temps, si on part du principe que les nains sont des cailloux, ils sont quand même vachement hostiles. Je vais essayer d'avoir l'attitude, et de toute façon, je n'ai pas une attitude hostile envers la porte ou envers qui que ce soit, de toucher la porte. Alors, on en parle au dernier zombie que t'as explosé ou pas? Alors, le dernier zombie, ça allait. Il va faire un câlin, le pauvre. Ouais, c'est ça. Tu fais quoi avec la porte ? Je vais essayer de toucher la porte en ayant une attitude neutre, sans être hostile ou quoi que ce soit. Félicitations, tu touches une porte. Rien ne se passe? Eh ben, je sais pas, si tu fais rien de plus, tu touches une porte. Je vais tenter de l'ouvrir. Si tu touches la dorure, tu touches la dorure. Si tu touches la pierre, tu touches la pierre. Si tu touches les deux en même temps, bah tu touches les deux en même temps. Eh bien, je vais tenter de pousser ou tirer la porte pour tenter de l'ouvrir. Très bien. Alors, il n'y a pas de poignée pour la tirer, visiblement. Donc, on va la pousser très très fort. Tu la pousses très très fort? On va tenter. Je me prépare à rattraper mon collègue au cas où. Très bien. À rattraper ton collègue au cas où, c'est-à-dire... Je sais pas, moi, par précaution. S'il fuit qu'il pousse, s'il pousse trop fort et qu'il tombe en avant. D'accord. Donc, il y a un truc qui lui tombe dessus. Très bien. Je pense que tu peux déjà me faire un jet de volonté, dévouement, Axel. Difficulté combien? Je sais pas encore, mais la réponse est 5. Ah. Bah j'ai 5. T'as 5 presque succès. Critique. Oh oui, large. Pas de crit. Presque 1, un 2, critique. 3, 4. Ah presque, hein, dommage. Hein. Dommage. Ok. Tu te prends un méchant coup de foudre. Mais alors genre... méchant. D'accord. Cool. Genre, si tu n'étais pas entraîné et préparé à ça, ça t'aurait peut-être tué. D'accord. Le genre de résultat que j'ai fait. Presque un critique ou un critique. Je rappelle que pour la foudre, il suffit simplement de faire un full succès pour pouvoir tuer. C'est pas un full critique pour pouvoir tuer. Full succès. Ah, ouais, chaud. Ah c'est fort la foudre. Hein. Ah ouais. Full succès. Donc là, t'as pris un méchant coup de foudre au moment où tu commences à essayer de la pousser. Alors, dès que tu sens la pression, ça vraiment, ça... on va dire la lame dorée qui fait fermoir entre les deux portes. Mm-hmm. Dès que tu commences à la pousser, ça fait une étincelle et tu te prends une foudre qui ne te fait... rien en termes de dégâts, mais alors t'as les cheveux hirsutes, t'as le cœur, t'as loupé un moment dans le cœur, hein, et à un moment donné ça fait hop, il y a eu un vide et ça a repris un peu vite. T'es pas bien. Non, bah je vais plus toucher la. T'es pas. Fou. Et puis t'es dans cet état où tu viens de te prendre un coup tellement un peu assommant que voilà. Tu sais pas trop. Hein. Ce sol est palpable. Vous êtes qui, monsieur? Bonjour. Je ne vais pas toucher davantage. Oui. Et je vais me reculer. Elle est légèrement entrouverte, ceci dit. Enfin, légèrement, vraiment. Tu l'as poussée de 3 cm. Ah bah, t'as combien d'athlétisme? 2. Bon, tu l'as poussée de 2 cm. Félicitations. 2 cm. Ah, putain, je vais faire un test hein, à la con. Hein. Mais je vais... J'ai toujours les mains et la pression qui est exercée fonctionne toujours. Plaît-il? Je vais tenter de la repousser encore, voir si c'était juste le mécanisme de d'éloigner l'épée d'un gond de la... Pas d'un gond de la porte, mais du centre de la porte. Tu tentes de la repousser de 2 cm ou de l'ouvrir? De l'ouvrir, vas-y. D'accord. Bah tu peux me faire un jet de volonté dévouement. Hein. Ouais, et cette fois je rajoute mes dés, parce que je peux en fait utiliser mes dés roses. Ah bah je t'en prie hein. Ajoute-nous un rose viril. Et viril, ce rose. 1, 2, 3, 4, 5, 6 succès. Il a sa journée dans 3, 2, 1. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est un intégral succès. Tu la pousses en grand. Tu te prends un Taz à 10. Je crois que j'ai vaincu ta marge. Oui, de 4. Tu me mets 4 dégâts. Tout à fait. Tu meurs donc. Tu tombes donc à 0 points de vie. Super. C'est la règle de la foudre. Donc, bah pour Krogar... qui observe la scène, en mangeant du popcorn évidemment, très probablement, puisqu'il est semi-carnivore, rappelez-vous. Tu le vois pousser un beau coup net, et vraiment, ces deux lames de porte qui... Et là, mais vraiment, tu le sens venir, hein, ça vient des gonds, carrément, de la porte, ça passe par tout le métal, et il se prend, mais... une foudre qui le traverse. Hein. Elle le traverse, la foudre. Ça fait un grand arc blanc d'une dizaine de mètres qui part tout droit dans le couloir devant toi et qui vient toucher le premier objet métallique, c'est qui va se courber pour aller toucher une des tuyauteries métalliques qui passe au plafond. Et Axel qui tombe par terre. Alors... D'abord, je regarde l'intérieur de la pièce, 2 secondes, et je le vois tomber au sol. Je regarde l'intérieur de la pièce au cas où. Si je vois un ennemi, au cas où. Je vois un ennemi. Attends, faut que je lance un dé. Je commence à épuiser mon stock de dés. Tu ne vois que du noir. Ok. Bah, je le chope par le pied, je vais le traîner vers l'extérieur de la pièce. Alors, il est tombé à l'extérieur. J'ai pas enfoncé le clou, il est tombé à l'extérieur. MJ très sympa. Hein. Eh ben... je vais le soulever. Et on va battre en retraite. Oula, ça passe comme ça direct. Tu le soulèves? Il est très d'accord. Hein. Bah, j'ai rien le droit de dire, donc je ferme ma gueule. Hein. Ok. Oui, certes, donc tu le soulèves du sol. Avec ma grosse faux, et je vais du coup essayer de revenir sur ma part, hein, tout en checkant, mais tu sais, évitant de trop me mettre de dos. Et déjà, je vais essayer de me mettre un peu safe, dans une zone c'est un peu plus safe, genre dans le couloir qui est un peu éclairé en arrière, là où il y a tous les tuyaux. Et voir si je peux pas essayer de le soigner avec mes perles. Ah, je sais pas ce qu'il y a dans tes perles, donc je ne peux pas te... Alors... TKT, on va s'amuser. J'ai du PV. Je vais lui lâcher du PV. Je vais déjà lui lâcher. Bah, je vais. Attends, allez. Ouais, je peux lui lâcher. Bah, je vais lui lâcher 5 perles. Ça va faire. 27 années. Non, ça va faire un peu de trop. Je vais lui lâcher. 2 perles. C'est-à-dire, tu lui rends combien de points de vie, s'il te plaît? Alors... Attends, 50 divisé par 10, ça fait combien? 5. 5. Ok, bah je lui rends 10 PV. Ok. Bon, il faut que tu me fasses un jet de volonté dévouement, normalement. Ouais, je fais, vas-y. Tac. Il me faut 2 succès. Un succès par perle. Je prends Mountain, bien évidemment. Vas-y. Ça impressionne. C'est bon, ça passe. Ok, large, tranquille. Donc, Axel, tu reviens à toi. D'un coup, vraiment. Comme si tu venais de prendre un petit coup de défibrillateur, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est une patate qui m'a mis en fait. Ouais, toi. C'est ça. Et donc, bah, tu reviens, toi, t'as appuyé contre le mur, assis par terre. J'aurais bien voulu lui faire un massage cardiaque, mais je devrais briser toute la cage thoracique. Il a vraiment la chance que je connaisse pas de massage cardiaque. Hein. Très bien. Je croyais que c'était l'épée du centre. Par rapport à... au couloir où il y a cette fameuse porte. Donc vous êtes remonté, selon ta volonté, Kroger, dans le couloir, j'ai envie de dire, à la plomberie. Tu es positionné comment par rapport à ce couloir? T'es de dos? À droite, c'est simple, à droite, il y a là d'où on vient la sortie, à gauche, c'est là où il y avait la femme. Oui, mais ma question est... Alors, petit dessin à l'appui. Petit dessin. Là, c'est un couloir. Là, il y a le choc électrique sur le coude. Ok. Vous êtes donc reparti ici. Ouais. Tu es positionné comment par rapport à la vision de ce couloir? Moi, je suis positionné comme ça. Vision vers là. Je regarde mon collègue. Je regarde donc vers ce mur-là. Et voilà. Axel te regarde également. Vous regardez donc longuement tous les deux. Ouais. Très longuement. Quand tu entends le bruit de sa braguette et donc tu détournes le regard. Très bien. Attends, ton dessin est où là, s'il te plaît? De quoi? Le dessin est où? Ok, d'accord. Ah, je viens de l'effacer. Vous voyez tous les deux dans votre champ de vision à droite, enfin à droite pour Axel, à gauche pour Krogar, un toutou qui regarde le point du couloir. Et vous voyez donc une jeune fille à la peau verte, plutôt pomme. On tire plutôt sur des couleurs de gobelins, les gobelins tirent sur un verre un peu jaune. Mmh. Petite créature, hein. On doit avoir quelque chose comme 1m60, 65, par là. Bon, il y a plus petit, hein, mais bon. Vraiment, un petit truc, gabarit assez fluet. Donc ça, c'est là, vraiment le truc qui, toi, te marque, Krogar. Il n'y a, pas de musculature... Il n'y a pas de musculature, quoi. Enfin, il n'y a pas de muscles. Ils sont où les muscles? Normalement, quand tu vois un demi-orc, tu vois d'abord des muscles et des dents, et après tu vois autre chose. Et du verre, si tu vois du verre aussi. Les trois choses que tu vois. Et après, c'est les dernières choses que tu vois, puisqu'après, t'es mort. Donc, après, c'est soit bagarre, soit bouffe, soit baise. Ou les trois en même temps. Oui. Donc, c'est la chose que vous voyez. Cette... Alors attendez, il faudrait que je retrouve l'image de mon côté. Je vais essayer de retrouver l'image de mon côté. Normalement, j'ai une image de la créature. Elle a des quenottes ou pas? Je recherche l'image de la créature. J'aurais dû faire ça en même temps que je faisais la description, mais j'y ai pas pensé. Je pensais qu'elle me reviendrait en tête. Et cette créature ne me revient pas en tête. Je crois que c'est là-dedans. Ouais. C'est bon, je l'ai. Alors, pas de quenottes. Des cheveux verts, mais alors vert feuille de chêne. Vraiment un vert sombre. Non. Elle apporte des marques de pierre partout sur le visage. Marques de pierre. Des pierres. Comme si de la... Comme bah... Alors bon, vous êtes des natifs de l'île, mais techniquement comme un nain qui se calcifie, ça fait des plaques de pierre. Alors pour ceux qui regarderaient éventuellement, ça rappellerait un peu la peau des cailles de pierre là, de Game of Thrones, la maladie qui fait que les gens commencent à devenir des cailloux. Ça fait un peu comme ça, oui, ça fait cailloux, ça fait vraiment des petits cailloux, les uns derrière les autres. Des oreilles pointues. Mais des oreilles pointues comme celle d'une elfe, pas comme celle d'un orc qui ont plutôt des oreilles je dirais un peu comme les humains avec juste une pointe. Là elle a vraiment les oreilles élancées, comme d'ailleurs beaucoup d'elfes noirs les ont. Des yeux verts constellés de blanc. Non putain oui c'est ça. Non merde. Ok. Elle porte un gilet rouge et une chemise blanche surmontée d'une émeraude qui sert de broche à cette chemise. Elle est donc très bien habillée. Les deux sont sans manches. La chemise n'a pas de manche et le gilet n'a pas de manche non plus. Elle porte un pantalon pareil, du même rouge. On l'en est vraiment sur un rouge bordeaux, hein, litvin. Et une ceinture avec des poches et des bourses accrochées dessus. Elle porte par-dessus également son pantalon ce qu'on peut dire un jupon ou peut-être un poncho qui est plié, replié et qui a donc ces teintes grises vertes et qui a l'air d'être magique puisqu'il a l'air de briller, hein. Il a l'air d'être fait de fils cousu de fil, je dirais comme si on avait tissé de l'émeraude. Si on avait tissé un fil d'émeraude. Voilà. C'est splendide, c'est magnifique. Ses bottes ont l'air d'être faites de pierre, mais vraiment là de pierre dense. Enfin, ça vraiment, t'as l'impression qu'il y a de la pierre dense qui lui remonte sur les jambes, quasiment jusqu'à hauteur des genoux. Voilà. C'est moi ou tu viens d'écrire Sophia là? Mais non, ouais, c'est ça, ouais. C'est pas ce que j'ai fait. Ah non, je rêve quoi. Okay. Elle est armée? Voilà. Dites aussi choupette numéro 3. Non, choupette numéro 3,14. Ah, choupette numéro 3. L'image chez moi s'appelle choupette 03.png. Ouais. Ouais, c'est choupette numéro 3. J'ai même pas mis de nom aux filles, je m'en souviens pas. Femme 1, femme 2, femme 3. Tu peux... je sais pas s'il a l'image... je l'envoie. Je vous l'envoie pas, je vous la montre pas à YouTube parce que je vous aime pas déjà. Foutez-moi la paix. Après, il faudrait que je cite des artistes, tout ça, c'est chiant. J'ai pas envie. Même si c'est écrit dessus, je crois, l'artiste. Poète. Oui, c'est écrit dessus. Mais vous ferez avec la description, vous ferez l'image que vous voulez. Ce qui est très bien. Et, donc, pas de dents. On rappelle, hein, pas de quenottes. Hein, des oreilles vraiment d'elfe. Et un gabarit... allez, d'humaine. Mais alors, pas d'orque. Hein. Pas de... Y a pas de peau verte là-dedans. Enfin, elle est verte, mais elle est pas verte. Essaye de comprendre. Est-ce qu'il résiste au vert? C'est-à-dire tout ce qui est vert. Je sais pas, mais visiblement elle aime le vert, elle en tout cas. Et donc elle arrive au coin du couloir, vous regarde avec un air accusateur sur 20, avec un épais grimoire composé à la louche de 14 732 pages. À la louche. Bonjour, mademoiselle. Voilà, qui vous fusille du regard, fait. C'est vous qui vous permettez de rentrer chez moi comme ça? Pardonnez-nous, on s'est sûrement trompé. Sans aucun doute. Je regarde et je fais... C'est vous qui passez dans le couloir en courant. Je passe dans mon couloir si je veux passer dans mon couloir. On cherche celui qui a essayé de rentrer dans sa chambre à lui. Et ça nous a conduit ici en fait. Ou alors on s'est perdu par ici plutôt, je sais pas. Alors... on le suivait à la piste avec... le petit chien ici présent. Je ne me permettrai pas de pénétrer ainsi dans les chambres d'un étranger. Qui plus est... Bon, m'excuserez monsieur, mais un demi-orc et un... Cet uniforme blanc... Je suis pas en blanc. Ah, tu t'es habillé, tu vas spécifier. Ou alors si tu n'as vraiment que ton chapeau. Alors, on va à quel niveau de troll? Soit tu es habillé de ton chapeau, et non, donc exclusivement de son chapeau, puisque c'était la blague, et donc tu es toute lance dehors, soit, moi tu m'as dit que tu t'étais habillé, n'ayant pas spécifié que tu te rhabillais en civil, les derniers vêtements que tu portais étaient des vêtements d'ordre. Non, je n'ai jamais eu de vêtements d'ordre. Bah si, t'as offert des vêtements blancs. Non, c'était pas des vêtements d'ordre, c'était des vêtements de pistolero que j'ai eu. Ok, j'ai rien. Donc ils sont un peu en cuir et j'ai rien dit. Et normalement, j'ai même avantage pour résister au choc électrique sur le coude avec. Mais bon, je savais pas si c'était vraiment en cuir ou pas, donc je l'ai pas. J'ai pas dit. De toute façon, tu ne l'aurais pas eu, puisque tu n'as pas de gants en cuir. Tu as touché cette porte sans gants ou avec gants? Bah, j'ai des gants. Tu m'as dit la tenue complète. Oui, mais non. Ok. Ouais, faut y penser, hein, sinon tant pis, hein, moi je pense pas. Ouais, ok, d'accord. Ouais, donc la tenue complète, les vêtements sont en cuir et les gants sont aussi en cuir. Ok, d'accord. Ah ouais, t'as le chapeau de forme. Ouais, ça je l'ai aussi. Il se la pète. C'est drôle, on a presque la même tenue. On a presque la même tenue, sauf que la différence, c'est que moi... Vous avez la même, quasiment. Vraiment. À 2-3 détails près, sinon vous avez la même. Très bien. Alors, je vais me faire un petit jet, là. Par contre, je crois savoir que tu as ton épée. Simple. Je l'ai pas pris, elle est dans ma chambre. T'as pas pris ton fourreau et ton épée? Je n'ai pas de fourreau sur mon épée, c'est pour ça que je la prends pas et je la barre. Ah oui, c'est toi qui a pas de fourreau. Ah, je vais m'y faire. Hein. Toi, t'as pas de fourreau et Kroger, il a un fourreau. Je vais y arriver un jour. Hein. Je vous garantis, un jour, je le saurai. Hein. Moi, j'aurai un fourreau, je pourrais la prendre et je mets un linge sur la croix. Ouais, c'est ça. Sur la croix de l'arme. Ok. Ouais. Et j'ai oublié ce que je viens donc de dire. Voilà. Une seconde fois. Donc, elle n'a pas tenté de pénétrer dans les quartiers de qui que ce soit. Et vous souhaite une excellente soirée. Faites attention néanmoins à la foudre, cela peut tuer. Je crois que j'en reviens. Je vous souhaite une belle nuit et une agréable soirée. Merci madame. Au revoir. Voilà. Et que vous entendez deux lourdes portes qui se ferment. et le frottement de deux lames métalliques qui crépitent un peu d'électricité. Alors, je vais demander à je vais tendre la main à Kroger pour qu'il m'aide à m'enlever. Moi, je l'aide. Merci. Je me redirige vers la porte. Je vais la regarder une dernière fois, l'énorme porte. Mmh. Avec la tête de vache. La tête de vache. La tête de dragon. Et ouais. Je vais faire une révérence en m'excusant sincèrement. La révérence à 90 degrés. Toutes mes excuses encore une fois, jeune demoiselle. D'accord. Et je m'en vais. Par là, une porte. Hein. Je sais, mais je le fais quand même. D'accord. Et je me casse. Qu'elle le voit, qu'elle l'entende, qu'elle le sache ou pas. Je m'en fous. Et puis je me casse. Ok. Très bien. Et toi, it's amazing. Bon. Alors on a dû se perdre, donc il va falloir qu'on... Je vais mettre une idée, mais dans les salles de bain, il y avait cette espèce de matière là, et ça, il en coulait de l'eau chaude. Donc en suivant les tuyaux, peut-être qu'on pourrait atterrir, bon, soit de là où ça provient, soit jusqu'à une salle de bain. Donc peut-être qu'on arriverait à retrouver notre chemin. D'accord ? Non mais on connaît notre chemin. Oui, bah moi je suis pas très moi je suis pas très fort niveau orientation, hein. Donc si tu arrives à te souvenir de quel chemin on a pris, je te suis. Mais dans ce cas-là, ça peut nous aider de... Et alors que vous discutaillez à l'intersection de votre couloir, vous voyez au bout du couloir d'allée, en fait de dalles, sol, murs et plafonds, avec son plafond de voûte, vous apercevez ce qui doit ressembler à un félin de petite taille qu'on appelle communément un chat. Ce que moi j'appelle habituellement, vous voyez, un démon des sept enfers. Ouais, salut démon. Avec des ailes de Ziozio. Oh là, une autre, tiens. Et qui miaule un grand coup, ce carapate essaye de passer donc par la porte avec quelqu'un qui semble essayer de l'attraper. Ça a l'air d'être un enfant qui essaye de l'attraper. Vous pouvez déjà tous les deux m'amorcer un jet de vigilance observation. Ce chat tente de passer l'encadrement de la porte qui mène donc à ce couloir. Et se prend visiblement un plat invisible. Il se prend un mur qui n'existe pas. Avec évidemment une tête de chat intelligent sur 20. Je vous laisse en trouver des tonnes sur internet autant que vous en voulez. De chat qui vient de se faire troll, bêtement. Et qui tombe avec visiblement ce chiotte d'enfant qui lui tire la queue, qui lui dit reviens ici, etc. Le chat se retourne, essaie de mettre des coups de griffe. Enfin, ça a l'air de batailler. Je vous en prie, donnez-moi vos résultats. Attends, j'ai beaucoup trop de dégâts. Enfin, échec ou échec critique, je sais pas si t'as mis en place la règle du 1 encore. On va se faire plaisir, on va la remettre. 3 succès. Dans ce cas-là, il fallait le dire avant, comme tu nous le dis si bien. Très bien. Combien de succès, Kroger ? 3. Dans ce cas-là, moi, 1 ou alors échec critique. Un succès. Ah, tu veux dire un succès ? Ouais, bah j'ai un 5 et un 1, mais j'ai des avantages. Ah oui, ok. Donc je sais pas s'il y a échec critique ou pas. Non, je garde ton succès. On va. Okay. On a dit donc 1 et 2 succès ? J'ai oublié. 1 et 3. 1 et 3. 3 succès, regarde. C'est lui qui est bon en observation. Ouais. Ok, eh bien tu as le droit de me poser une question, Shina, et après tu ne serviras plus à rien. Et c'est probablement Choc Électrique qui fait ça. Ouais, ça doit être ça. L'enfant. Oui. Peux-tu me le décrire ? Bien sûr. Un petit bonnet vert, une petite bouille, pas plus de 60 cm de haut. Je sais ce que c'est. Et une robe verte, une robe de chambre verte, enfin une chemise de nuit verte. En méta, je sais ce que c'est, et là je vais regarder, attends, mais c'est quoi ça ? Nous passons bien sûr un bonjour à Arthur. Donc on nous dit ça. Et voilà, donc toi tu vois un truc de vert. Mais pas avec une peau verte. Enfin si, mais ça c'est ton pote. Enfin bref, t'as compris. Est-ce que je peux l'interpeller ou pas? Non, il y a Kroger d'abord qui a fait 3 succès. Ouais, c'est vrai. Kroger. Des détails peut-être souhaites-tu avoir? Ouais, alors vu que la porte est légèrement entrouverte, vu qu'il essaie de récupérer le chat, est-ce que je... Non, alors, excuse-moi, je refais la description. En fait, au bout du couloir, il y a une pièce qui n'a pas de porte. C'est juste une arche. Et le chat, en essayant de passer cette arche, s'est pris un mur invisible. Ou semble s'être pris un mur invisible. En tout cas, il a fait un plat dans l'air. Hein. À la verticale. Donc on voit clairement le gamin. Oh, Sophia, on croise Bixi, après ça va être qui? Techniquement, après, vous passez une porte et vous retrouvez dans une forteresse dragon, si on suit l'ordre des choses. Fuck! Avant que vous étiez directement service actif. Ah ouais, après, si c'est service actif, ça me va. Donc... Non, bah, l'équipement, les affaires du gamin. Alors, déjà, la chose que toi, tu peux constater, c'est qu'il ne s'agit pas d'un gamin, mais d'une gamine. Ça s'entend. Ah. Voilà, c'est une gamine. Ok. Elle est belle et bien vêtue, exclusivement d'un bonnet de nuit et d'une chemise de nuit. Tous les deux verts. Putain, mais ils ont quoi avec le vert? C'est raciste, ça. Je reconnais. Qui s'accuse lui-même de raciste. Il va croiser un arbre, du faire terre raciste. T'es ou assiste, enfoiré. T'es ou assiste. Le mec est devenu fou, quoi. Au secours. Il va se voir dans une glace, il va essayer de se taper. De s'auto-taper. To me. Do you fuck my wife? Voilà. Du coup, dès demain, ton dogo, il est vert. Non. Donc voilà, vraiment, ça fait... en plus, c'est pas très haut, là. Ça va faire 54 cm de haut, pour être assez précis. Ça porte même pas de chaussures. C'est vraiment potelé comme un enfant. Et étant donné ton niveau de réussite, je te laisse me faire un jet de connaissance des créatures. Normalement, tu es un chasseur, si je dis pas de bêtises. Tu devrais avoir la connaissance des créatures. J'ai la connaissance des bêtes. Ah, je prends aussi. Okay. Ah, succès. De quoi? Oh, le jet dégueulasse. Combien de succès? Un succès. Un succès. Le chat volant, c'est un fafélin. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que c'est un fafélin? Bah, c'est un chat qui vole. D'accord. Et ça n'existe plus. Ah. Ouais, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est dans les légendes, quoi. La dernière fois que t'en as vu un, c'est dessiné sur un caillou, il y a... Est-ce que ça se mange? Tu vois, genre un caillou de la préhistoire, tu vois. Mais surtout, est-ce que ça se mange? C'est ça ma question. Alors ça a l'air d'être un chat, donc ça a l'air de se manger, même si ça a l'air d'être bourré de poils. Et tu ignores le nombre de doses de corruption et de souillure que tu ingérerais. Parce qu'évidemment, c'est un démon. Évidemment. Bien brûlé à la broche, je suis sûr que ça passe. Ça enlève la corruption. Voilà. Non, mais j'ai demandé autrement réponse. Ah oui, la petite fille a les oreilles pointues. Également. Ok. Mais non, je te demande réponse du MJ. Voilà. Pour la dernière réponse. Pour la dernière réponse. Bah t'en as plus. Je t'ai tout donné là. Parce que t'as fait qu'un seul succès, donc connaissance des bêtes, ouais, c'est un fafélin et ça n'existe plus. Ok, non, mais pour les 3 questions que j'avais aléatoires. Bah, j'ai complété le fait qu'elle avait pas de chaussures, que c'était une fille et qu'elle avait les oreilles pointues. Ok. Ça marche. J'ai complété. Je vais regarder la scène. Ah, si, et de là où t'es, ouais, t'as dû l'entendre jurer dans à peu près 3 langues différentes. Voilà. Dont aucune que tu parles. Oh bah yes, super. Mais il y a un truc qui devait ressembler pas loin de l'orcoïde quand même à un moment donné. Peut-être quelque chose... Fais-moi un jet de langue. Tiens, fais-moi un jet de langue. Tu parles quoi comme langue? Je parle le commun, le... Ouais. Dalama. Dalama et le Silferilim. 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 Compliqué ce mot. Ta langue à 3? Ouais. Chasseur, oui, parce que la langue à 3, les chasseurs. Hein. Oh, ça se fait plaisir. Hein. Est-ce que je peux faire un jet de langue aussi, s'il te plaît? Non, parce que toi, t'as pas entendu les jurons. Ah, d'accord. C'était un jet d'observation, ok, d'accord. C'est le résultat de son jet d'obs. Ok. Donc, tu peux me faire un jet de langue avec avantage. Ça peut prendre son temps ou pas? Non. C'est pas possible. Pour une fois que je demande. Mm. Une chance que j'ai l'avantage, viens voir. C'est quoi? Ah, il est beau ce jet. Oh, qu'il est beau, putain. Ah, il est grand, hein. C'est dommage que t'as fait 6, hein. Ouais. Ah, il est magnifique. Hein. J'aime bien les mecs qui provoquent statistiquement leur propre perte, c'est formidable. Alors, t'es à peu près convaincu qu'il y a une langue... Alors, il devait y avoir du Silferilim. Mais les Silferilim, c'est toujours un peu compliqué parce que les jargons évoluent beaucoup et selon les endroits où t'es. Mais ça sonnait Silferilim, mais pas Silferilim du coin. Silferilim, mais pas d'ici. Et franchement, l'une des insultes sonnait comme de l'orcoïde. Parce que bon, tu connais quand même l'orcos, un minimum. Ça voulait sonner comme ça, mais ça aurait sonné beaucoup plus... Enfin, là, ça consonnait beaucoup plus comme de l'ogroïde. D'accord. Voilà. Intéressant. Ou une langue comme ça, une langue bien grasse qui n'a rien à faire dans la bouche d'un enfant... qui n'a pas les cordes vocales en plus et la mâchoire pour prononcer ce genre de mots, puisqu'il faut avoir effectivement une certaine morphologie pour pouvoir prononcer ce genre de mots. Ok. Je prends. Voilà. Et donc vous vous retrouvez comme deux couillons au milieu d'un couloir, parce qu'il y a déjà un toutou qui dort les quatre fers en l'air. Alors personnellement, je vais essayer de rattraper la gamine. Enfin, l'enfant. Tu cours donc à travers le couloir des dalles? Non, je cours pas à travers. Les dalles me paraissent suspectes. Oh, les dalles me paraissent suspectes. Attends, je te rappelle qu'on est passé devant un... Comment ça s'appelle? Un énorme truc avec plein de dalles. Je voudrais regarder un peu sur les côtés, voir ce qu'il y a autour. Comment ça? Avec toutes les... Tu te souviens le grand truc dalleux avec les grandes portes naines qu'on avait vu? Et les petites statues, tout ça là? Ouais, les petites statues, ouais. Bon, il y avait rien. Il y avait des jolies statues, c'était bien, c'était joli. Les dalles, elles me paraissent pareilles ou pas? Ah, oui, ça paraît très carré. Pas les mêmes dimensions de dalles, évidemment, mais elles sont toutes parfaitement calées. J'ai envie de dire réglé comme le dallage d'un jeu d'échecs. Impeccable du sol au mur jusqu'au plafond. Tu n'y vois absolument rien de suspect. Non, Kroger, là j'ai juste envie d'une chose, c'est dormir. On va dormir. Je vais aller dormir. Là, le coup de choc, coup de jus, non merci. Viens, on remonte dans nos chambres, on va dormir. Hein. Trop. Oui, je suis d'accord. Beaucoup trop. Cette affaire-là ne nous concerne pas et déjà on a fait éruption, on a presque fait éruption chez quelqu'un, donc non merci. Moi je pensais que c'était le mec qui avait... Vous remontez ce couloir, donc le couloir de la plomberie, vous réatterrissez au détour de celui-ci sur un couloir à la Shining. Encore ? Qu'est-ce que t'as avec Shining aujourd'hui? Avant de retrouver ce bon vieux couloir de pierre classique avec ses jolies fenêtres habituelles, qui a cette petite touche, j'ai envie de dire, Skyrim, vous voyez, où en fait elle est bleue, on ne voit pas à travers, on ne voit pas le décor à travers, elle émet une lumière bleue et on ne voit pas à l'extérieur, parce qu'on n'avait pas le budget... Bref, on n'a pas le budget, Heroic AO, on est comme Bethesda, on n'a pas le budget. Et donc vous retrouvez ce couloir-là avec une petite créature au chapeau haut de forme que vous connaissez déjà, du nom de Jean Flampin Fantôme, votre hôte, qui a l'air paniqué à courir dans vos couloirs, en toquant à vos portes, en regardant visiblement un objet doré qu'il porte dans la poche. Il ressemble à une grosse médaille. Bon, vous ne voyez pas très bien. Il a l'air de regarder ça. Il a l'air de remonter. Ça fait des clics, cric, cric, clac quand il la remonte. Il range ça dans une poche. Bonsoir, monsieur Jean Flampin. Ah, bonsoir, enfin. Bonsoir. Et là, ouais, il souffle un bon coup. Puis-je faire un jet d'empathie, s'il te plaît? Oui. Vigilance. Bien sûr. Pour voir dans quel état il est, le pauvre bougre. Il a l'air d'être paniqué. Hein. Ah oui, je suis si mauvais que ça en empathie, d'accord. Bon, bah 2D plus mes 3D bonus. Hein. Heureusement qu'il y a du D bonus. Hein. Ouais, non mais... Ah, j'en connais qui veut jouer le dragon, il a tout collé en volonté, vraiment. Ah non, mais je vais finir par jouer le dragon. Tous les points sont en volonté, c'est... 3 succès, monsieur, 3 succès. Ah, en fait, je reconnais cette technique, c'est tu veux pas aller voir le ch'tiot-n'enfant, parce que tu sais que les ch'tiot-n'enfants, ça met des roustes au dragon d'argent. Non, pas spécialement pour ça. Oui, je me doute. Alors, combien de succès d'échecs? 3. 3 succès. 3 échecs, hein, j'en étais sûr. 3 échecs. 3 succès. Il avait vraiment l'air paniqué. Paniqué comme quelqu'un qui aurait perdu des gens, quoi, dans son hôtel. Voilà. Eh bien, je lui dis, bah, on est devant ma porte, on est devant celle de Kroger. La première, c'est la tienne. Eh bien, je vais lui dire, venez vous asseoir, vous avez l'air mal, vous avez l'air tout pâle. Mais... Non, tout va très bien, je vous ai perdu pendant un instant, je suis content de vous avoir retrouvé, formidable, mais est-ce que je peux savoir où est-ce que vous étiez? Rentrez, je vais vous expliquer. Il entre. Je ferme la porte, pas à clé, hein, pour... voilà. Kroger, si tu veux bien venir... On rappelle que dans l'ordre de ce que tu viens de dire, tu rentres, tu fermes la porte et tu dis à Kroger, tu veux bien venir. Attends, je rouvre la porte. Parce que bon, bah, Kroger prend la porte. Non. Okay. Je ferme derrière Kroger et chien. Et je fais le contrôle de Mirank derrière la porte en train de dire Dogo. Oui, j'arrive, tu sais. Oui, j'arrive. Pardon. Pardon. Reculez, on va sortir. Oui, c'est ça. Ramenez-moi un petit paquet de caca. Arrête. Ah, c'est Obélix, quoi. C'est bon, on va sortir. Blam, la porte. Je respecte mon chien, il s'appelle Dogo. Alors, je vais donner un peu à boire à Dogo parce qu'on l'a fait crapahuter un peu dans toute la truc. Et je vais commencer à expliquer à notre hôte ce qui s'est passé. Il est venu me voir apparemment assez agité parce qu'il y avait eu quelqu'un qui avait essayé de rentrer dans sa chambre et qui avait même réussi à la déverrouiller de l'extérieur. Donc on a pris en chasse la personne dans l'hôtel et on s'est égaré, je dirais, dans des sous-sols avec des espèces de... je sais pas, des parties métalliques arrondies, je connais pas le terme exact de comment ça s'appelle, une grande porte que malheureusement j'ai essayé d'ouvrir et je m'en excuserai encore une fois auprès de la demoiselle qui y habite. Je croyais que c'était pas notre intrus, mais la personne qui avait essayé de faire irruption chez Kroger qui s'était précipité dans ce lieu. On a aussi croisé une petite fille, une petite fille, c'est ça, Krogar, tu m'as dit? Oui. Une petite fille avec rappelle-moi le nom de la créature. Un chat avec des ailes. Là. Ouais. Voilà. Et devant ça, et surtout le coup d'électrique que je me suis pris, je... Ouais, non, c'est pas nos affaires, et donc... voilà. Oui, alors... On s'est un peu perdu, je pense. J'entends. Ce qui m'inquiète encore plus, voyez-vous, alors, effectivement, Comment dire... L'hôtel, si je puis me permettre, hein, je sais que vous êtes habitué au terme auberge, mais... L'hôtel... possède un certain nombre de ramifications... De quoi ? Avec... d'autres espaces-temps et lieux, de la même firme hôtelière, hein, ceci dit, hein, puisque nous sommes une SAS, hein, bien sûr, hein, n'oublions pas, parce qu'ils vous parlent chinois. Hein, enfin, chinois, ça serait plus clair, parce que Xin, déjà, ça serait beaucoup plus clair. Je vais lui dire oui, certes, mais encore. Certes, ça a l'air très technique. Et au moment où vous repassez en français, c'est quand? Ça a l'air bougrement technique, tout cela. Et voilà. Oui, effectivement, il n'est pas normal que l'hôtel vous ait dirigé vers ces lieux-là. Néanmoins, il est intéressant à noter qu'il est possible que mon intrus, et donc là il vient vous parler de son problème d'intrusion, que nous avons abordé en amont, qui était une quête qui a été donnée au rat qui n'est pas là, donc YouTube, nous ne nous embêterons pas beaucoup plus. Mais disons que le propriétaire de l'hôtel, donc Jean Flampin Fantôme, l'hôtel du nom du Lutte Oublié, qu'on aime bien appeler auberge, bien sûr, hein, du Lutte Oublié, excusez-moi, semblerait avoir un invité qui aurait signé son registre, qui n'est pas un de ses invités. Il sait quel est ce client, mais par tradition protectionniste qu'offre l'hôtel, hein, puisque comme vous avez pu le remarquer, celui-ci protège ses clients, enfin, que dis-je, ses invités. Il ne peut se permettre, lui, de dénoncer cette personne ou de violer l'intimité de sa chambre, évidemment. Et qui a ce pouvoir, à part qui aurait ce pouvoir pour pouvoir rentrer dans une chambre fermée de l'intérieur en plus, qui plus est... Alors, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas les gens qui manquent parmi mes invités. J'ai un grand nombre, si je puis dire, de privilégiés, d'invités, d'amis peut-être même, pour certains d'entre eux, qui ont des aptitudes... que vous pourriez qualifier de sidérante. Avec les choses que j'ai vues ces derniers jours, je peux imaginer. Enfin, ces dernières semaines plutôt. Alors. Plus encore. Oh oui, je n'en doute pas, mais j'ai quand même vu des choses qui... Non, mais alors... Pourrait... Bien plus encore. Ah, d'accord, super. Voilà. Voilà. Il faut dire également que une partie de l'espace inutilisé du réseau d'hôtels, du réseau hôtelier, est souvent appelée l'auberge à la belle étoile. Une facétie de magicien. Qui trouve son utilité et qui fait que nous hébergeons à notre insu parfois, enfin c'est vraiment à notre insu, pas vraiment mais bon, nous hébergeons un certain nombre d'individus aux capacités sidérantes, extraordinaires, peu communes. Plus que vous ? Oh, vous savez, moi, finalement, je ne suis qu'un tenancier. C'est plutôt bon. C'est vrai que mes invités sont toujours très satisfaits, mais je pense, à défaut, que l'environnement dans lequel nous sommes implantés c'est-à-dire les terres mortes, favorise en fait cet effet de satisfaction beaucoup plus simple, je pense. Je pense que les gens sont quand même bien moins exigeants envers moi à cause du décorum extérieur, voyez-vous. Puis-je vous offrir une collation? Je suis offert, oui. Un whisky pour monsieur, 2 doigts pour vous. Donc il sert une bouteille de whisky à Kroger et il enfile un gant latex pour Axel. Non. Wow. On refuse pas, hein. Quoi? Non. Moi, je refuse pas la bouteille de whisky, hein. Très bien. Donc, il fait son crogard, il vide le whisky et il mange la bouteille. Ouais, c'est un demi-orc. C'est normal. Je vais lui demander qui aurait intérêt à s'introduire dans votre réseau hôtelier, si je reprends vos termes. Ou votre auberge, ou l'auberge à la Belle Étoile, où ce sont deux firmes, pour reprendre encore vos termes, différentes. Non, c'est la firme intègre plusieurs micro-sociétés qui constituent le réseau hôtelier, évidemment. Et comment dire, le sortilège d'auberge de la Belle Étoile ouvre sur l'espace hôtelier et effectivement permet à chacun d'établir temporairement ces quartiers dans notre réseau hôtelier. Pour autant, ils n'appartiennent pas, j'ai envie de dire, à la structure économique de la société, quoi, de la corporation. Quoi qu'il parle, si je puis dire. D'accord, je ne suis pas sûr d'avoir... Au capital de 13 500 000 pièces d'or, quand même. Okay, on va faire simple. À chaque fois qu'il dira un mot compliqué, je boirai une gorgée. Ok, t'es déjà au tonneau de whisky entier de vidé. Hein. Hey, alors... J'aime bien là ce petit jeu, j'ai rien compris, mais alors qu'est-ce que j'ai bien bu, hein. Ouais. D'accord. Je pense comprendre les grandes lignes. Après, avec les termes techniques, ça me perd un peu, mais soit. Je voudrais juste savoir si l'hôtel a une volonté propre, ne peut-il pas expulser un intrus indésirable? Je pose la question comme ça, puisque si il est vu par l'hôtel ne possède pas de volonté propre. C'est un objet, hein, il est fait de sol, de murs, de bois, de pierre, et de pourtant, vous avez dit qu'il nous a guidé. S'il nous guide, c'est qu'il a une certaine volonté, peut-être pas propre, mais... Alors, est-ce qu'il s'agirait de la volonté du lieu? C'est intéressant ce que vous soulevez. S'agirait-elle de la volonté propre d'un lieu qui échapperait à ses propres règles, à son propre conditionnement? Dans ce cas-là, nous serions peut-être manifestement face à une preuve d'entité capable de sa propre pensée, d'avoir développé sa propre réflexion, sa propre volonté, et donc une nouvelle forme de vie. Rendez-vous compte. Créée par la magie. Par la magie ou par la volonté de ces êtres. Là, moi j'envoie ça à une deuxième proposition, qui est que peut-être vouliez-vous trouver ces espaces, ou peut-être la personne que vous recherchez voulait trouver ces espaces, et que c'est ainsi que vous avez quitté le lieu oublié. D'une certaine manière, puisque vous ne l'avez pas vraiment quitté non plus. Je pencherai pour la seconde proposition, c'est la personne qui cherchait à les atteindre. Mais parce que je... On pourrait aussi partir sur une troisième proposition. Il se pourrait tout à fait qu'un être extérieur, ce sujet, ait souhaité que vous trouviez cet espace, puisque finalement, il ne semblerait pas que dans le cul-de-sac que vous avez observé, vous ayez trouvé votre coupable. Non, c'est vrai. Ça pourrait nous ramener aussi à ce qui s'est passé plus tôt. Tout était possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Vous qui êtes un magicien et qui comprenez la magie. Je ne suis pas tout à fait magicien, disons que je suis plutôt un prestigitateur, mais oui. D'accord. Ça va peut-être vous parler encore plus puisque vous qualifiez en tant que tel. lors de notre péripétie, nous avons croisé dans un certain souterrain. À un moment donné, nous nous sommes retrouvés à des lieux de là où nous étions. En regardant des cartes et en faisant attention à notre entourage, on s'est retrouvé non loin de la cité dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous venons d'arriver. Nous sommes arrivés. Pourtant, nous étions à, si je ne dis pas de bêtises, Kroger, bourré, ok, bien 200, voire... Je ne sais pas si le lieu vous parle, mais nous étions à côté de la baie de la Tortue. Ah oui, je vois très bien effectivement les lieux. Voilà. Nous étions là-bas et nous nous sommes retrouvés ici en marchant moins d'une journée. Oui, mais pas sur la terre ferme, je pense. Non. Oui, dans des tunnels. Dans des tunnels. Ils avaient un aspect un peu particulier, ces tunnels? Je ne pense pas qu'ils étaient faits de pierre. Ils étaient faits en pierre et nous sommes doucement retrouvés sur un sol en bois, fait de racines. Plus précisément, de racines embriquées les unes dans les autres, qui en faisaient des dalles. Je ne pourrais peut-être pas, je peux vous les redécrire avec exactitude. Mais... Je pense savoir de quoi vous voulez parler. Puis-je vous inviter à me suivre, messieurs Kroger? Et sinon, il le savait que la police des polices allait l'arrêter ou pas? Hein? Okay. Ah parce que ouais. Moi, je comprends pas, Ouais. Kroger, tu veux qu'on te raccompagne à ta chambre avant de... Non, je vous suis. Ok. Kroger peut faire un jet de résilience difficulté 2. Parce que pour l'instant, il vient de boire, mais même s'il a bu beaucoup, le temps que ça fasse le tour dans son sang, il a de la marge. C'est de l'alcool, on parle. Hein. Bon, en vrai, attends. On parle d'alcool, hein, bonhomme. Hein. Attends, il n'y a pas assez de dés. Il n'y a pas assez de dés. Tu lances un saut, toi aussi, en endurance? Il a déjà 6G4 de base. Ouais, d'accord. Et c'est un demi-orc. Ouais, oh, donc, autrement, 3 succès. Hein. 3 succès? Ouais, large, hein. Ouais. T'es pas bourré, hein. T'es pas encore bourré, en tout cas. Non, mais je commence à avoir la chauffe. J'espère que vous aviez la ref, hein, en tout cas. Ça me dit vaguement quelque chose, mais je saurais pas te dire dans quoi. C'est dans les Simpsons. Ah ouais, non. Quand il est chez, tu sais, les mecs de foi, là. Non, ça me dit rien, là, par contre. J'ai pas regardé tous les épisodes, non plus. Ça m'a vite saoulé. Point, ça ne me parle. Mais, ok. Bah écoutez, vous le poursuivez dans un couloir. Évidemment, comme à son habitude, il vous propose, si jamais vous voulez quelque chose à boire, à manger... la bouteille est offerte. On dirait une mamie qui essaye de vous faire grossir, quoi. C'est insupportable. Ouais. Donc, mais si vous voulez quelque chose, il n'y a pas de souci. On va un petit peu à grignoter, parce qu'on a crapahuté un petit moment dans le tout, en fait. Ouais. Ah, c'est parfait, nous allons passer à côté de la réserve. Je suis sûr que l'on vous trouvera quelque chose de comestible. Il ouvre une porte, vous rentrez littéralement dans un hangar de bois qui a de ses planches posées sur une cave de pierre. Et vous pouvez voir dessous donc des foudres immenses. Vous avez des rangées de fromage, vous avez des saucissons accrochés partout, enfin bon. Le toutou est réveillé. Il est très réveillé. Il est vif. Je cherche un truc qui pourrait être intéressant pour mon chien. Tiens, il n'y aura pas un morceau de viande? Ah mais il est déjà en train de se servir. J'ai piqué un jambon. Je lui tape sur le museau et je lui dis non. Un chien dans un garde-manger, mec. Ah oui, il y a du saucisson et du fromage. Tu veux qu'il se passe quoi? Non, Il pique pas la bouffe. Ok. Fais-moi un dressage exercice. Ça marche. Je vais lui apprendre que taper dans la viande, c'est pas bien. Je prends mon temps pour lui expliquer. J'ai trois succès. Voilà le chat. 3 succès. Il a combien lui en dressage dressage 1. Il a ça fait 3 G2. 3 G2. Ouais. Ah oui, réussite critique, ok. Ah oui, il a compris, il comprend. Il repose le jambon au pied de Jean Flampin. Voilà. Je le caresse et je fais bon chien. Bon Dogo. Donc vous êtes dans le garde-manger. Hein, et je lui donne un morceau à côté. Ok. Une fois que vous avez ce qu'il vous faut, il vous attend à côté de la porte, prêt à repartir. Moi je prends un morceau de jambon. je prends une cuisse de jambon. D'accord. Je veux prendre quoi grignoter, faire une petite collation. Très bien. Et Dogo est heureux, il a son jambon puisque Jean Flampin lui a laissé récupérer le jambon. Vous repartez dans le couloir, vous tournez à un endroit et il tire en fait sur le côté. En fait, vous avez les fenêtres, en gros, vous avez la coursive qui suit ce chemin de fenêtre et vous avez un renfoncement mural visiblement avec un rideau à un endroit. Je dirais plus 2 grosses tentures. Que vraiment des rideaux, c'est vraiment comme si on avait accroché des tapis, des tapis persans. Enfin, vous voyez l'épaisseur d'un tapis persan, mais comme si on les avait accrochés sur une tringle à rideaux dans des positions de rideaux. Voilà. Et les deux montrent un arbre gigantesque avec des racines, tel un Yggdrasil, pour faire basique, simple et efficace. L'un d'entre vous parle le Silferilim, je crois. Ouais. Mais est-ce qu'il connaît l'elfique? Non. Tu ne sers à rien. Tu peux néanmoins tenter de me faire un jet d'éducation avec des avantages. Puis-je tenter de faire un jet de langue, s'il te plaît? Tu parles quoi comme longtemps Dalama et commun. Non, malheureusement, non. Dommage. Je peux prendre mon temps ou pas? Tu peux toujours m'en faire un avec des avantages, ceci dit, supérieurs, puisque tu n'as pas la langue de base. Non, tu peux pas prendre ton temps, parce que techniquement, Jean Flampin, il est en train de vous parler, à moins que tu interrompes Jean Flampin, en fait. Non, non, je n'interromps pas. Sinon, non, t'as pas spécifiquement le temps ou la possibilité de le faire. J'ai un dé cassé. Moi j'ai un succès. C'était un qui était cassé, donc... T'as combien de succès, Axel? Un succès. Un succès. Aucun succès. Aucun succès. Aucun? Aucun. Bah non, je suis en désavantage, donc non. T'es en désavantage, donc t'as rien. Ok. Bon. Ça pourrait ressembler... de ton côté, Axel, ça pourrait ressembler à des langues de druides, de trucs comme ça. Mais malheureusement, c'est une culture qui était beaucoup trop étrangère. Et je peux faire un jet de connaissances éducation? Ça te rappelle peut-être, par contre, des choses que tu as pu voir. Une écriture un peu que tu as pu voir dans la tente de l'ossière. Et grâce à mon jet là que j'ai fait, avec un seul succès, je peux tenter d'essayer de faire un jet de connaissance éducation ou pas? Non. Non, vraiment tu parles ni elfique ni rien. Non. Lui, c'est parce qu'il parle Silferilim qu'il a pu le tenter. D'accord, ok. Mais oh, je demandais. Non. Malheureusement, non. Vous êtes pantois et perplexe face aux écritures et symboliques. Scriptiques qui se présentent à vous. La ville créature qui est Jean Flampin fantôme tire ce rideau et vous invite à le suivre. Il descend quelques marches. Vous avez donc un dogo qui le suit tout content. On va essayer un peu de dresser le dogo, rester à mes pieds. Ah bah tu me fais un jet d'exercice. Ça marche. Alors, tac. Dressage d'exercice 4. Putain. Un succès. Oh la vache, je fais que des jets de merde. Hein. Je fais du chinois depuis tout à l'heure. Ouais, bah tu parles tout seul, hein. Dommage. Okay. Dommage. Vous lui emboîtez le pas qui passe? Moi j'emboîte le pas. Hein, Très bien. J'essaye de rappeler mon chien à chaque fois, mais il n'écoute pas. Avec la bouche pleine, puisque t'as le jambon aussi en mangeant du jambon. Ouais, j'ai un couteau et je mange un morceau de jambon tout en l'engueulant. Oh, le bon paysan de l'île. Le vrai. Le certifié. Je joue à demi-orc. Vindiou, reviens ici. Incroyable. Très bien. Eh bien, en descendant quelques marches de pierre, vous arrivez rapidement à un sol de bois que vous connaissez déjà. Avec ses murs d'argile qui ne sont pas effrités. Son plancher de bois est impeccable. La structure est impeccable et est éclairée par des petites grappes lumineuses. De quelle couleur, chérie, s'il te plaît? De quoi? Quelle est la couleur des lumières? Est-ce que tu t'en souviens? Non, mais j'ai noté. Bon, c'est jaune. De fer. Jaune. Ok. Ouais, jaune, j'ai. Voilà. Donc, telles des grappes de raisin. Pour faire une description à YouTube, c'est un endroit magnifique, hein, et merveilleux. Hein. On a une sorte de tunnel. D'ailleurs, pas une sorte de tunnel, on est sur un tunnel qui a une forme bombée, vraiment sur les côtés. J'ai envie de dire presque comme un sous-marin, ou comme un boyau, comme vous voulez. Avec un mur d'argile vraiment frais, tout frais. Avec des racines qui courent le long du sol, qui remontent en piliers sur les côtés, qui courent sur le plafond, etc., sur lesquels sont accrochés par intermittence donc des petites, pas des petites d'ailleurs, des belles grappes, parce qu'on a une belle hauteur sous plafond quand même, hein. Je rappelle qu'on est quand même sur un endroit avec 4-5 mètres sous plafond, hein, quelque chose comme ça. Très loin du tunnel où vous avez mis les pieds, on a vite tendance à se retrouver à devoir baisser la tête. Là, on est sous 4-5 mètres de plafond. L'endroit est vaste et spacieux. On a des dalles de bois au sol qui sont impeccables. On dirait même que le bois est verni ou ciré, quelque chose. Vraiment, le bois est impeccable. On est dans des teintes assez chaudes sur les boiseries. Mural, on pourrait rappeler genre la cajou, des choses comme ça. Et sur le sol, on est sur un beau chêne, genre un petit peu un chêne noir, quelque chose comme ça, un peu plus sombre. Mais vraiment sur un marron sombre, un brun, peut-être couleur un peu terre de feu comme ça, avec des notes de rouge. Voilà. Et donc éclairé par ces petites grappes de raisin, où à votre passage, il y en a une qui éclate et ça fait une petite luciole. Hop, Jonathan qui volote comme ça, qui éclaire un petit peu, qui brille joliment autour. C'est évidemment splendide, pour ceux qui évidemment ont une âme poétique, j'ai envie de dire. Et pour ceux qui détestent la magie, bah, c'est effrayant. Voilà. Et donc Jean Flampin s'arrête en vous demandant si c'est par ce genre de tunnel que vous avez voyagé mais rapidement. Il avait l'air beaucoup plus défraîchi. Ça se comprend. Malheureusement, ça se comprend. Mais oui, évidemment, ces tunnels, vous l'aurez compris, sont magiques. Ils permettent de raccorder des lieux boisés les uns aux autres. Ce serait intéressant un jour que vous réussissiez à remonter le long des tunnels, mais c'est compliqué. C'est remonter le long d'un réseau de racines n'est jamais très évident. Je sais que, bon, là vous avez compris ma nature, j'avais réussi à le revitaliser assez. C'est bien, il faut continuer. Si vous en avez cette possibilité, c'est un formidable pouvoir et ça vous servira encore et encore. Voilà. Et ces tunnels ont une volonté propre aussi? Non. Non. Mais ils ont... Ils répondent à une volonté ou à des volontés, oui. Qui sont toujours un petit peu mystiques étant donné leur créateur. J'ai sûrement dû penser à ma famille quand nous étions là-dedans. C'est sûrement ça qui nous a dirigés vers eux. C'était pas impossible. Quand on réfléchit bien, les choses qui nous paraissent mystérieuses trouvent toute une source de logique et souvent s'encastrent bien les unes avec les autres. Et plusieurs logiques forment l'ensemble compréhensible d'éléments. Par contre, je n'explique toujours pas comment nous avons rencontré ces deux personnes. Enfin, rencontrer c'est peut-être un grand mot, mais quelle existence ou quelle personne a pu nous mettre sur la voie de ces deux femmes. Enfin, de cette petite fille et de cette femme en particulier. Alors, est-ce que j'ai eu un sens de... jeune femme et d'une vieille femme. Oh, elle n'avait pas l'air si vieille que ça, cette demi-orque. C'est pas d'elle que je parle. Pardon. Oh. Oui, techniquement, c'est une très vieille créature. Et là, je viens de faire tilt, normalement. Comment ça? Je connais, normalement, dans le culte, je connais une créature qui ne vieillit pas, qui paraît jeune, non? Bah, excuse-moi, les elfes? Oui, mais... Les anges? Ouais, aussi. Les dragons? Enfin, excuse-moi si les dragons vieillissent, mais tellement lentement qu'autant dire qu'ils ne vieillissent pas. Ouais. Les morts-vivants ne vieillissent pas, mais sauf qu'eux ils ont l'air tous vieux. Non, alors les vampires peuvent paraître jeunes. Les lutins, je connais pas. Les lutins sont pas dans la Bible, ils sont pas canons. Dans la Bible, c'est pas eux qui sont décrits comme avoir trahi. Non, vraiment pas. Alors. Non, c'est vraiment dans les textes anciens que tu les trouves. Tu les as pas, toi, puisque tu viens pas de l'église canon, en fait. T'as pas la bibliothèque pour les retrouver. Je n'ai pas de bibliothèque tout court. Toi, j'ai envie de dire, tu fais avec la Bible de base et les 2-3 pare-chocs qu'écrivait le vieux, quoi. Mais... le vieux jeune. Le vieux qui avait l'air plus jeune que toi. Parce que même à 20 ans, comme humain, t'as l'air plus abîmé qu'un elfe de 400 ans. Donc, c'est un petit peu embêtant, quoi. Surtout un haut elfe. Ok, d'accord. Ok, donc je connais pas. D'accord, et... Non, mais... Non, là, toi, avec ce que tu sais, c'est pas suffisant, non. Tu remets pas du tout le doigt dessus, zéro. D'accord. Ok, pas de soucis. Pour toi, ça ressemblait vraiment à une enfant, et l'autre, il te dit que c'est une petite vieille. D'accord, je vais le croire. Après, la magie... Parce que ça ressemblait vraiment à un ch'tiot de 2-3 ans, quoi. Hein. Ah, mais pourquoi est-ce qu'on m'a mis sur... Pourquoi est-ce qu'on nous a mis sur ça? Est-ce que j'ai eu des sensations de famille... que ces personnes m'étaient familières? Après, la demi-orque avec des... Elle était peut-être liée à toi, Kroger. Ça te dit quelque chose? Je peux faire un jet de mémoire? Non, c'est pas nécessaire. Est-ce que tu n'as jamais vu cette créature de ta vie? Non, moi non. Et moi, ça ne me... Le problème, c'est que toi, tu as vu que c'était pas une... Enfin, vous l'avez vu, c'est pas une demi-orque, en fait. C'est pas... Oui, mais justement, elle avait la... le truc, c'est qu'elle avait la peau verte. Et... Bah, elle avait la peau verte, mais en vrai, tu lui enlevais la peau verte. C'était une elfe, quoi. Elle avait plutôt l'allure d'une elfe. Enfin, plutôt l'allure... En fait, tu lui enlèves le teint vert et tu lui enlèves les oreilles pointues, et c'est une humaine. Ouais. Bon, en fait, elle était différente, quoi. Ah, elle était différente, ouais. Donc, bah, moi, je... Ou il était différent, vous n'avez aucune preuve. Je demande... Alors... Ben, moi, je demande si... Ben, si... Mais comment ça se fait? Je ne les connais pas, à part... J'ai pas eu de sensation... Est-ce que j'ai eu des sensations de familiarité avec ces personnes? Est-ce qu'ils m'ont dit quelque chose, bah, je sais pas... Absolument rien du tout. Ah bah putain. Je sais, alors là. Vous avez parlé de temporalité différente, aussi. Ah oui. Oui, tout, en fait... Enfin, temporalité, ne vous mettez point la rate au courbouillon, j'ai envie de dire, monsieur Astanel. Vous imaginez bien que pendant que nous sommes ici, nous ne sommes pas ailleurs. Et que pour aller ailleurs, il va nous falloir un temps pour y aller. S'il n'y avait pas de temporalité, nous serions partout, à tout endroit, à tout instant. Ou nulle part. Et il y a des êtres qui peuvent faire ça ou pas? Techniquement, vous croyez en des êtres qui peuvent le faire? Oui. Et vous, vous croyez en quoi? Ouh. Je crois que... que ça va aller. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Je pense que ça va aller. Je crois que ça va aller. Après, vous êtes libre de parler. Nous ne sommes pas des... Nous n'allons pas vous réprimander pour ne pas croire au même Dieu que nous. Chacun est libre de croire, et la foi est quelque chose que envers ce quoi les gens se tournent quand ils ont peur. Ou vous croyez parce que vous n'avez pas la certitude. Vous croyez parce que vous êtes dépassé. Je ne crois pas parce que je sais. Et parce que je vois. Il n'y a plus de whisky, je crois. Il n'y a plus de whisky. C'est fini, là. C'est le mec qui est en train de manger les murs et les racines pour essayer de se défoncer, tu sais. Vous seriez pas un peu de cyanure, là, histoire que je me fasse une petite défonce pendant que vous racontiez des trucs que je comprends pas? Moi, ce que je vais proposer... Est-ce que vous voulez que je réinjecte un peu de vie dans le réseau qui est rattaché à votre hôtel? Mais en fait, le sien, il a l'air parfaitement vivant, en fait. Oui, mais après, peut-être que ça fait comme là... Alors, je suppose, la magie, si elle est excédente ici, va peut-être se déplacer vers un endroit où il n'en a pas. Alors, je sais pas si tes combinaisons magiques vont jusque-là, mais... Je lui demande. Si j'injecte de la magie ici, peut-être que dans une aile où il n'y en a plus, ça va la revitaliser. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes magicien ? Un magicien, tu es un sorcier, Harry. Je suis... Non, pas magicien. Tu es un cultiste, comme certains disent. Un cultiste, disons. Ouais. Bien, nous n'allons pas abuser davantage de votre temps. Peut-être une dernière question. Une dernière requête, plutôt. Et je vous écoute. Si un jour vous revoyez cette femme que nous avons dérangée, veuillez lui exprimer mes sincères excuses pour l'avoir dérangée et avoir tenté de faire irruption chez elle. Soit. Merci beaucoup. Mais je vous souhaite une agréable soirée, une bonne nuit, même si elle est déjà bien engagée. Merci, vous aussi. Et j'espère que vous aurez l'occasion de faire un prompt repos long pour pouvoir dépenser votre XP. Bah, de toute façon, on n'a pas grand-chose à faire en vrai. Donc, et l'Apocalypse nucléaire que t'as prévu dans 2 jours là? Comment ça dans 2 jours? Ça dans 2 jours? Mon fiche, je suis dans une maison magique, moi je m'en fiche. Dans une maison magique. Très bien. Eh bien, je vous propose une petite pause vite fait, comme ça on fait des bisous à ton tube, vous allez vous coucher, vous avez le temps de répartir votre XP, et on se retrouve juste après que vous avez fait ça, quoi. On en a combien, par contre? Ça, c'est la question. Ouais. Bah, faites des bisous à Charlotte, déjà, et comme ça, on coupe. Bisous, Totube. Bisous, Chachou. Bisous, nam, nam.